suis le directeur de production de Geeks for Change. L'imprimerie est en France, mais un peu partout en Europe, est en gros bouleversement. C'est une filière qui se structure autour de nouvelles façons d'acheter l'imprimerie qu'on peut résumer avec le web to print. Alors nous justement, on fait travailler deux types d'imprimeurs. À la fois, on va utiliser aussi les technologies web to print pour gagner en prix de revient, en coût final pour le client. Mais aussi, on va faire travailler une entreprise qui est presque centenaire, comme le Noisetier. Le Noisetier est ce que j'appelle une imprimerie à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois imprimer sur tout un tas de supports très différents, mais ils vont aussi intégrer des façons, par exemple du gaufrage, de la mise en œuvre de techniques plus subtiles qu'on va retrouver dans l'édition de livres de qualité, par exemple. L'objet leader chez Noisetier, c'est la cartonnette de tous les bracelets-trises. Après, il y a tout un tas d'autres objets qui vont être fabriqués. Ça peut être des dépliants, ça peut être des produits accompagnants, des flyers, des cartes de visite classiques, ou des objets beaucoup plus complexes, comme des carnets faits sur mesure, avec des couvertures rigides, des spirales, et des montages que ensuite les ZAD va mettre en œuvre pour faire un kit, par exemple, de fin d'année. Ça a été une rencontre extrêmement constructive puisque quasiment du jour au lendemain, on a gagné le transport de Paris à Pamiers qui était écologiquement assez peu pertinent. Là maintenant, c'est 40 km à parcourir, le gain est assez considérable. Et on a divisé les délais de fabrication par deux. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une réactivité dans la fabrication des bracelets cartonnettes pour l'ensemble de nos clients qui est bien plus efficace qu'elle n'était auparavant. Globalement, le délai a été divisé par deux, c'est-à-dire qu'on est passé de 2 semaines de temps entre la commande et la livraison des cartonnettes à 1 semaine aujourd'hui. Et à vue de nez, on a gagné 1 millier de kilomètres de transport.